Là, sur le ring, c'est Robin of Navan, amené par le haras de la Barbotière, que vous venez de voir remporter le Critérium de Saint-Cloud, une course référence pour les étalons dans les deux disciplines. Et il battait à cette occasion un certain Klaus of Stars, devenu ensuite deux fois placé sur le podium de l'Arc de Triomphe. Bref, un vrai champion que ce Robin of Navan, qui à 2 ans avait gagné groupe avant gagner le Critérium de Saint-Cloud, mais qui ne s'est pas arrêté là, Robin of Navan, puisqu'à 3 ans, il est encore multiple placé de groupe. À 4 ans, il a gagné la coupe à Chantilly. Et à 5 ans, un groupe 2 sur 1600 mètres en Allemagne, un vrai guerrier des pistes, qui est également placé du prix d'Ispahan derrière Mechtal, et donc gagnant de groupe 1 à 2 ans sur 2000 mètres, un cheval qui évoluait entre le mile et les 2000 mètres, et qui s'est fait étalon depuis son entrée au haras de la Barbotière en 2020. Puisque les premiers ont pris tout juste 2 ans, et les premiers vont être en piste cette année. On a déjà des éléments à l'entraînement chez François et Édouard Montfort. Un étalon mixte, il est très signé de son père de mère, le fameux Mutatir, et c'est un fils d'American Post, le même croisement que sa championne de cousine Lise Gracieux, meilleur jument, meilleur cheval japonais de l'année 2019, qui a gagné le Cox Plate en Australie face au mâle et plusieurs groupes 1 au Japon. Une grande souche de l'élevage de Tourgéville. Robin of Navan, gagnant de groupe 1 à 2 ans, proposé à 3 000 €. Un cheval pour le plat dès cette année, mais aussi pour l'obstacle l'an prochain. Bref, il est à suivre du côté du haras de la Barbotière.